Je reviens sur les trois grandes étapes jusqu'à réaliser qui on est. La première étape, c'est l'identification totale au moi séparé. Deuxième étape, ça se décolle. C'est l'éveil. On découvre que nous sommes la conscience. Et la conscience, c'est le vide. C'est l'espace, c'est le non-temps. Mais il y a ici une séparation avec le monde de la forme, parce qu'ici on est dans le vide en fait. Mais ici on est encore dans la dualité, parce qu'il y a le vide et le plein, c'est-à-dire le monde et ce qui est vide. La troisième étape, c'est en fait c'est comme si ça revenait ici en fait. C'est découvrir que nous sommes tout ce qui est. Tout ce qui est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce qui se passe, peu importe ce qu'il se passe, même l'identification en fait qu'il y avait ou que les gens peuvent connaître, c'est ce qui se passe. Quelqu'un qui médite, c'est ce qui se passe. Quelqu'un qui est en colère, c'est ce qui se passe. Qu'il y ait la paix dans le monde, c'est ce qui se passe. La guerre, c'est ce qui se passe. En fait, il n'y a plus rien qui est exclu. Tout est accueilli et il n'y a aucune transformation, il n'y a pas d'amélioration qui va être faite par quelqu'un. En fait, on découvre que nous sommes la vie même, à la fois vide et à la fois plein. Nous sommes les deux simultanément. Et c'est la vie en toute chose qui anime ce corps et tout le reste. La vie est maîtresse de tout. Et nous sommes cela. Ce vide plein. En même temps. Sans aucune capacité d'intervenir. On n'utilise pas le mental, en fait, pour agir. C'est spontané. C'est direct. Et ici, dans cette troisième étape, c'est vraiment la vie qui surgit, en fait. Et on se rend compte qu'en fait, ça a toujours été là. C'est exactement comme avant, en fait. C'est comme si on avait fait un tour comme ça. Pour revenir à avant, avant le début du chemin spirituel. C'est-à-dire que c'est juste la vie qui est là, c'est tout. Mais sans une identification à être quelqu'un, sans l'idée que je fais quelque chose, puisque c'est la vie qui se met en mouvement. Je n'aime pas intervenir, en fait. Il n'y a aucune intervention. Quand il y a une intervention, c'est le petit moi, en fait, c'est le mental qui veut intervenir, qui veut mettre ses idées dans la vie. Mais ça ne matche pas. Et la vie est très très puissante et douce à la fois. Elle manœuvre tout, c'est-à-dire qu'elle permet tout. Une intervention du mental, c'est vu, c'est permis. Donc si je reviens à la première étape de l'identification, ici en fait, la majorité des êtres humains vivent ainsi. Moi, avant, Samira, voilà, j'avais ma petite vie. Je ne me posais même pas la question que je suis identifiée au corps, à mes pensées, à mes émotions, que j'étais identifiée à toutes les situations, que j'étais identifiée à un statut social, comme j'étais psychologue, que j'étais identifiée aux amis que je fréquentais, à ma famille. Il n'y avait aucune question en fait, il n'y avait même pas de recherche, il y avait juste la vie, voilà, et l'idée de la séparation, mais je ne me rendais même pas compte que j'étais séparée, c'était normal pour moi, je suis une entité et les autres sont une autre entité, tout simplement. Donc ils peuvent être à la fois mon ami mais mon ennemi, et moi-même, je peux être à la fois mon ami et mon propre ennemi. Je n'avais pas vraiment conscience du mental, du pouvoir du mental, et je fonctionnais dans la vie à partir du mental. Donc quand je devais prendre une décision, etc., je revenais à mon mental pour me dire, ok, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui pourrait être fait?
qu'est-ce que je voudrais améliorer, qu'est-ce que je voudrais changer. Et il y avait toujours ce désir de bonheur, toujours ce désir d'aller bien, toujours ce désir de profiter de la vie, d'éviter les échecs, de fuir les déceptions. Voilà, j'étais beaucoup, beaucoup dans le refus en fait. Je n'acceptais pas les gens comme ils étaient, je ne m'acceptais pas moi-même comme j'étais. Donc ça, c'est l'identification ici. Et puis, pourtant, ma vie, on va dire la vie de Samira, elle est bien, c'était pas. Mais il y avait toujours, toujours, depuis toujours, un sentiment de manque très profond et un vide intérieur que je sentais, que je ne comprenais pas. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé, et j'ai eu plusieurs expériences directes. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience directe? C'est un aperçu de la conscience, en fait, de ce que nous sommes. Et puis, à un moment donné, il y a eu vraiment ce décollement où là, j'étais la pure conscience, en fait. C'est-à-dire que je suis le vide. Je ne suis pas le personnage auquel j'étais identifiée. Je ne suis pas l'histoire de ce personnage. Je ne suis pas en quête de faire quoi que ce soit. Je ne suis pas prisonnière de quoi que ce soit, de mes conditions matérielles, émotionnelles, amicales, familiales, amoureuses. Je ne suis pas là-dedans, en fait. Donc il y a vraiment une détente ici. On a beaucoup de connaissances qui arrivent, on a beaucoup d'informations qui viennent, mais ça reste encore dualiste parce qu'il y a la conscience, le vide, et puis il y a ce plein. Donc il n'y a pas vraiment de lien en fait. Et la troisième étape, c'est véritablement en fait comme une danse entre le vide et le plein, c'est-à-dire que c'est la même chose. La forme, c'est le sans forme, c'est la forme. Mais véritablement, ce que nous sommes avant tout, c'est quand même le sans forme. Et cela forme l'unité. Donc de la première étape où il y avait l'identification et la séparation, la troisième étape, en fait, c'est l'unité. Je reviens comme au début, sauf que il n'y a plus cette idée de moi-je. Il n'y a pas de séparation, il n'y a que l'unité, la vie en mouvement. Il n'y a aucune distance. Et ce n'est pas moi qui fais, tout, tout est spontané. Tout vient de la vie, tout est direct et a toujours été ainsi. Même quand je ne le savais pas, même quand j'étais identifiée au corps, même quand j'étais dans des douleurs, quand je refusais les conditions que je vivais, que je souffrais du vide, c'est ce qui est, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passait. Donc en fait, même auparavant, avant que j'aie conscience de l'unité, quand j'avais l'impression d'être séparée, eh bien, c'est toujours la vie qui joue à ça, puisque elle le permet, puisque c'est là, c'est ce qui se passe. Donc en ce sens-là, il n'y a aucune erreur. Quand des personnes, soi-disant, seraient endormies et que ça serait mal, en fait, il n'y a aucun mal parce que c'est ce qui est, c'est ce qui se passe. Et tout ceci, exactement comme la nuit quand on rêve, c'est un rêve en réalité. Un rêve, un film qui passe avec plein d'acteurs qui en réalité n'ont aucune conscience d'eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas de conscience en fait. Parce que pour être conscient, il faut être quelqu'un. Faut être quelque chose. Voilà, donc c'est un rêve, un film qui se déroule pour personne. Il n'y a personne qui le voit. Et ce rêve n'a pas de sens. On peut dire qu'il sert à rien. Et même ça ne veut rien dire. Le dire, c'est déjà trop le dire. On ne peut rien en dire en vérité, parce qu'on est sur le terrain de Dieu.
Et ce qui est, c'est tout ce qui est. C'est-à-dire que, exactement comme quand on va voir un film au cinéma, il y a un gentil, il y a un méchant, eh bien, tout est permis. Il n'y a pas de bien et de mal. Puisque ce qui est, la vie, met au monde qui elle veut, ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle peut mettre un Hitler, elle peut inventer une bombe atomique, elle peut tuer des enfants, elle peut créer des situations dramatiques, comme elle peut créer des très belles choses, des choses délicieuses. C'est toujours elle qui crée, en fait. Il n'y a pas l'homme qui décide, qui fait quelque chose, qui devrait faire quelque chose. Quand l'homme croit qu'il doit faire quelque chose, c'est la vie en fait qui joue à ça. Quand je veux améliorer ma vie, quand je crois que je suis née et que je dois évoluer, que je dois grandir, je dois trouver ma place dans le monde, c'est la vie, ce que nous sommes, c'est Dieu qui joue à ça. Et si on se sent perdu, c'est la vie, ce que nous sommes, ce qui est, ça joue à ça, à être perdu. S'il y a de la souffrance, peu importe laquelle, psychologique, physique, mentale, c'est ce qui est, c'est la vie qui joue à ça. C'est pour ça qu'il est souvent dit d'accueillir en fait, de ne pas rejeter. Parce que s'il y a un sentiment de rejet, je suis en train de rejeter Dieu. Et de rejeter la vie et de rejeter moi-même. Je suis en lutte contre moi-même. Le sentiment de séparation, le sentiment d'un moi-je, donc il repose sur le mental. Il y a la principale racine moi, et puis il y a toutes les ramifications qui ont à voir avec l'histoire, donc ça a à voir avec le passé. Donc ce sont que des pensées en fait. Donc on a mis l'autorité, au lieu de mettre l'autorité, de laisser l'autorité à la vie, c'est comme si la vie en fait avait placé l'autorité dans le mental. En apparence, elle joue à ça. En apparence. Mais c'est elle qui commande en fait. Elle fait ce qu'elle veut. Donc s'il y a une souffrance, c'est une douleur, c'est accueillir cette douleur, aller au fond de cette douleur, de cette souffrance. En réalité, pour découvrir réellement qu'est-ce que c'est, pour l'observer, sans vouloir la changer, sans vouloir la transformer, juste regarder, voir. Parce que ce que nous sommes véritablement, c'est un voir, sans personne derrière, en fait. Et dans ce qui est, en vérité, la vie, Dieu, est intouchable. Donc, s'il y a la guerre, s'il y a des choses affreuses, etc., en fait, on n'est jamais affecté. Bon, j'ai dit beaucoup de choses. Mais tout ça pour se détendre, en fait, que ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Si le mental veut dire non, mais moi je veux maintenant, 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 quelque chose d'autre que le maintenant, en fait, la meilleure pratique, c'est d'aimer maintenant. Et peu importe ce que c'est maintenant, c'est d'aimer maintenant. Puisque c'est ce qui est.
Et si une ouverture peut avoir lieu, pour revenir, c'est comme un changement de focus en fait, il y a une défocalisation, et bien c'est ce qui va se produire. Mais il n'y a rien à forcer en fait, il n'y a pas de lutte. De toute façon, nous le sommes déjà ce que nous sommes en vérité. C'est pour ça que ça ne sert à rien de lutter. Et le personnage, il ne peut rien faire en fait quand on est. Le mental, il n'a aucune autorité, il n'a aucun pouvoir. C'est une illusion en fait. Et tant qu'on est dans cette illusion, c'est comme un enfant qui joue à un personnage. Tant qu'il n'a pas arrêté de jouer, eh bien, il reste dans son personnage. Donc, et c'est vrai que c'est un peu bizarre en fait de penser que voilà, en étant dans l'illusion, je vais trouver des stratégies pour m'en sortir. C'est très bizarre en fait, parce que comment veux-tu que, en étant dans l'illusion, quel est l'intérêt de faire des pratiques, des méditations, etc. Mais en même temps, il n'y a pas de mal à ce que ça se passe, puisque c'est ce qui est. C'est la vie en fait qui décide de revenir à elle-même. Ce n'est certainement pas le personnage. Il ne peut rien faire. Par contre, toi, tu peux rester avec ce qui est. Juste rester avec ce qui est. Et même les résistances qui vont se présenter, rester avec les résistances. Peu importe ce qui est, peu importe. C'est la vie qui expérimente ça. Et ce n'est pas personnel. Et même s'il y a un sentiment que ça arrive à toi, sache que en fait l'impersonnel est en train, est englobé, t'englobe, t'enveloppe en réalité, te soutient, la vie te soutient. Tu n'es pas seul. Puisque c'est toi la grandeur en fait. C'est toi le beau.